What is the onesie, you might ask? Well, I'm here to show you. Over here we have a young lady who is wearing a onesie. You will notice that the onesie makes no distinction between the upper half and the lower half. It's making it a one piece, or for short, the onesie. The onesie can be seen everywhere in the French Alps at the moment, as a hangover from the early 90s, or indeed the late 80s, we're not quite sure. Anyway, as it is, the onesie is a dying breed, and as such, we feel that a little encouragement should be given to people to be nice to the wearer of the onesie. This video demonstrates our will to do so. Thank you very much. We're just going to show you how we get ready for onesies. Bye, guys. Hey sport, do you want to learn about the onesie? Yeah. Okay, well, looking for onesies, there's a lot of things to consider. Firstly, onesies can come in all shapes and sizes, right down from small children up to huge, fully grown men. Hugging a fully grown man can result in painful injury. Also, hugging a fully grown man's wife can also result in painful injury. So, when you look at onesies, not just look at how big and how old the onesie is, but also how many onesies there are in a pack. Another key consideration is the velocity of the onesie. High speed onesie interceptions can result in painful injury and maybe even death. You got that, Scamp? Now run along. They told me there was no harm in hunting onesies. Till that fateful afternoon. He was just going too fast. I lost my footing. I fell on the floor. I used to be able to smell a onesie at 10,000 miles. But now, no more. Yeah, I've hunted onesies. Sure, there were some good times. There were some really good times. I mean, two old ladies, I hugged them. That was good. A guy in a yellow and purple jacket, that was one of my best. But I'm sorry. Do you mind? No, go ahead. There was this one time in the plan. I had her! She was there! Brown jacket. I skied right in, I went for the hug, and she flinched away, I never got the chance to hug her. I'm sorry, we just... Les onesies en fait, les gens, les trucs, les enlèvements, je sais pas si Non, en fait, c'est parce qu'on a remarqué que vous portez un onesie là, le truc avec les pantalons intake. Ah oui, comme ça là. Oh, oui, comme ça. En fait, on a bien remarqué que ça fait un petit retour. Vieillot. Bah, ça c'est vieux, j'imagine, mais on a remarqué que ça fait un retour sur les montagnes. Parce que je viens pas souvent à la montagne. Ah bon?
c'est tout. J'y vais avec mes enfants, mes petits-enfants. Et je fais plus de ski depuis un certain temps. Ah bon, et c'est pareil, monsieur aussi ça, c'est... Oui, oui. Et lui, il le garde. Parce qu'il vient une fois dans l'année. Donc vous gardez depuis longtemps. Alors. Oui, oui. Et ça fait combien de temps que vous allez acheter? On verra. Je sais plus. C'est une dizaine d'années, une dizaine d'années. Ok. Ben, merci. Onesie, ça veut dire le type de tenue qui fait partie là. Oui. C'est, ça fait un peu de retour. Et on veut savoir si vous l'avez gardé, si vous attendiez ce moment-là en gardant cette tenue ou pas, cette onesie. Moi, j'ai cette tenue depuis 10 ans et bon, chaque année, on vient skier pour maximum une semaine, donc bon. Ah oui, bon, donc ça vaut pas la peine. Voilà, c'est ça. Mais bon, okay. Je pense maintenant... Ouais, vous savez, maintenant, ça fait le retour, en fait. Oui, ok, bon, mais pour moi, à mon âge... Hein. le mot anglais, je pensais que c'est onesie. Mm-hmm. Onesie, ce mot, quoi. Comment onesie. Onesie, non, onesie. Je connais pas. Onesie. Merci. Remarquez que ça fait un retour sur la montagne. On voulait savoir si vous l'avez gardé pour vous, parce que je c'est un assez ancien. Vous l'avez gardé en insistant que ça revient. Je vois pas bien l'intérêt. Merci. Je vois pas bien l'intérêt. Ok, bah, pas de soucis. Merci. Everyone has their techniques. I'm a sniper. I go in fast and grab. Silent but deadly, that's what they call me. The end of a plastic cup. Oh, what fun we had!